fais attention aussi aux retardataires qui sont pas faciles à doubler. Bonne chance. Eh bien bonjour à tous, bienvenue depuis le circuit de Suzuka pour suivre la 8ème des 12 manches de ce championnat du monde de WTCC. Il reste peu d'épreuves et peu de points à prendre. Il va donc falloir grappiller le maximum dans ces derniers événements pour terminer à la meilleure position possible dans le classement. Vous voyez que le tour ici dure moins d'une minute, un peu plus de 50 secondes, et il va donc y avoir beaucoup de tours en course. On est parti pour un tour rapide en compagnie du leader du championnat. Leader du championnat avec 21 points d'avance sur Thiago Montero. Il s'agit bien sûr du pilote Citroën Maxou, pilote qui a fait vraiment très fort la semaine dernière en Chine avec une démonstration comme l'avait fait Yvan Muller de toute façon la semaine précédente en Autriche. Alors ici on va tomber sur une Lada un petit peu plus lente, attention. Il s'agit de Kozlowski. Et attention, voilà, à l'extérieur ça passe avec une petite roue dans l'herbe. Et les Citroën ici qui sont assez avantagés avec la ligne droite des stands et les enchaînements où elle est très performante en grip mécanique et en grip aérodynamique. Et la fin du tour de qualification pour le pilote belge, alors que pour l'instant c'est Yvan Muller en 52 secondes qui tient à la dragée haute aux autres pilotes. Et en 51-257, ce sera la pole pour le pilote belge qui se lancera aux côtés de Norbert Michelis. Yvan Muller se contentera de la seconde ligne aux côtés de Thiago Montero. Le néerlandais Tom Coronel partira 6ème pour le compte de la première Chevrolet, celle du Roll Motorsport, et à noter les deux Lada de Roboff et James Thompson, les Britanniques dans le top 10. Pas d'absent de marque dans le top 10, tous les pilotes les plus performants sont là et Kozlowski ferme la marche. Les pilotes sont sur la grille de départ, l'extinction des feux est maintenant imminente à Suzuka. Et c'est parti, on roule avec un bon départ derrière d'Yvan Muller qui pourrait faire la différence. Très bon départ sur la droite de la piste de Thiago Montero et surtout Gabriele Tarquini qui prend de nouveau le meilleur envol. Attention à Thiago Montero à l'intérieur et Yvan Muller. Et Thiago Montero qui touche la Citroën qui part en tête à queue, c'est pas possible, dans le gravier. Sortie du leader du championnat qui se retrouve arrêté après 200 mètres de course et il peut repartir mais le contact était très douteux. Et on revoit en caméra embarquée ce qui s'est passé avec le pilote belge. Je voyais à gauche Tarquini, à droite Norbert Michelis. Et il y a un choc avec Thiago Montero. Et il ne faut pas plus pour déstabiliser le leader du championnat. Ta lame avant est touchée, mais rien d'important. Ok, tu peux remonter, accroche-toi, on tient au courant de ce qu'il faut pour t'aider. Allez, vas-y. Et à la surprise générale, 3 Honda mènent à domicile, celle du pilote Zengo Motorsport, Norbert Michelis devant les deux Honda usine et vient ensuite Yvan Muller, Tarquini 2ème, Montero 3ème, 4ème Muller, 5ème c'est Tom Coronel, pardon, le pilote du Roll Motorsport. Et à la fin de ce deuxième tour, on tente déjà de sauver les meubles chez Citroën avec Mehdi Benani qui empêche comme il peut le pilote belge de remonter. Et alors là, c'est pas un attentat de la part des Honda, mais je pense qu'on doit avoir mauvaise mine du côté Team Maton et de la direction de Citroën Sport. Parce que là, le contact des deux roues, parce qu'on vous rappelle que ces voitures sont des tractions avant bien sûr, pour déstabiliser la Citroën, c'était assez limite. Et le contact avec René Munich. Et ici on voit l'attaque de, semble-t-il, Mehdi Benani qui va attaquer une Lada, celle de James Thompson, ici à l'intérieur à la sortie du premier droit. Et ça passe pour le pilote marocain qui a eu beaucoup de mal. Et le contact ici avec René Munich, je disais Mehdi Benani qui a eu beaucoup de mal de se remettre de sa casse moteur au Salzbourg-Ring. Et un nouveau tour couvert sous le commandement de Norbert Michelis, le Hongrois. Belle manœuvre sur Munich, c'est propre, continue comme ça. Et une nouvelle place de gagné pour le pilote belge qui dépasse donc René Munich. C'est maintenant au tour de Mehdi Benani de se faire dépasser. Mehdi Benani qui vient de reperdre la position qu'il avait gagnée tout à l'heure. Et c'est Kozlowski qui s'en sort bien. Oh, et l'attaque à l'intérieur, il a bien plongé. Et Benani qui en a même profité pour s'infiltrer en compagnie du pilote belge. Et là, on revoit donc l'attaque sur René Munich à toute la phase de tout à l'heure. Et là, voilà, le petit contact avec René Munich, donc. Et
et le dépassement à l'extérieur qui n'est pas chose si aisée que ça hein, dans le premier droit de Suzuka. Et voilà, donc avant même le freinage, c'était joué. Et on revient au direct avec, pour l'instant, Zuzan Borkovic qui tient. Si tu passes, Borkovic, tu es dans les points. Vas-y, attaque! Et il faut rentrer des points absolument pour le championnat. Sinon, ça peut être deux catastrophes en deux week-ends pour le pilote belge. Et ensuite, il n'a resté que Brandzach la semaine prochaine. Bathurst en Australie. Et enfin, le grand final qui aura lieu sur le circuit de Macao en Chine. Circuit le plus difficile du championnat pour terminer. Et Dusan Borkovic qui n'est pas si simple à doubler. Et c'est pourtant maintenant chose faite. Oh, avec une petite escapade au-delà des lignes blanches qui délimitent la piste. Et le prochain sur la liste, c'est Robuffs qui, sans manquer de respect aux champions britanniques, ne devrait pas être si compliqué que ça avec Salada. Et on va suivre ça peut-être depuis le toit de la Citroën du pilote belge. Vous voyez, à l'aspiration, on déboîte. Alors pour les plus jeunes, ça s'appelle un dépassement d'école. Ça, c'est ce qu'on vous apprend sur les bancs des écoles de pilotage. Salada, une formalité. Le prochain, c'est Hugo Valente. Et vous voyez que même chez Citroën, on est conscient de la difficulté du mouvement que vient d'effectuer le pilote belge. Alors par contre, maintenant, Hugo Valente, ça semble être un morceau un peu plus dur à avaler. Hein. Sincèrement, le Français qui est très bon à la défense de sa position. Et il n'est pas si loin que ça de ramener des gros points. Hein. Après le tête-à-queue, il était dernier au premier freinage. Ça pourrait bien mieux se passer pour le leader du championnat. Alors, à l'aspiration, peut-il aller chercher le Français? Après, c'est toujours Norbert Michelis qui mène devant Tarquini et Montero. Peut-être que chez Honda, on va laisser passer Thiago Montero face à Tarquini qui n'a vraiment plus de chance, je pense, au championnat. C'est peut-être un peu tôt dans la saison, mais si Honda veut avoir une chance d'avoir un pilote qui traîne en fin de saison, ce serait peut-être la procédure à suivre. On n'est pas encore en train de faire des calculs, hein. Il reste, comme je vous l'ai dit précédemment, quelques épreuves, mais chez les seconds ou les troisièmes du championnat, les points peuvent faire une différence. N'oublions pas que Chevrolet n'est pas si loin que ça, notamment le Rôle Motorsport. Et également l'équipe Campos de Borkovic. Alors, l'attaque ici, le contact sur Hugo Valente, attention. Ne pas être trop gourmand non plus. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne pour le pilote belge? Va-t-il devoir encore patienter pour attaquer Hugo Valente? Ça semble bon à l'intérieur et ça passe pour le pilote belge qui se retrouve derrière une autre Chevrolet, cette fois-ci celle de Tom Shilton. José Maria Lopez qui, pour la première fois depuis plusieurs épreuves, est à son affaire. Il est sixième, alors qu'Ivan Muller est toujours quatrième. Attention, c'est lui pour l'instant qui repartirait en tête de cette épreuve. Après la ligne d'arrivée. Reste calme, tu vas finir par la trouver, l'ouverture. Sois patient. Et voilà, à force de trop chercher, on va passer les limites de la piste et on prend un avertissement par la direction de course de Track Limits. Il va falloir se calmer chez Citroën, chose que n'a pas toujours réussi à faire l'ingénieur du jeune pilote belge, savoir le canaliser. Alors, Tom Shilton, est-ce cette fois la bonne? De nouveau à l'intérieur au premier freinage, hein, c'est le seul endroit où on peut vraiment porter une attaque et ça semble passer. Eh, c'était un peu plus compliqué, mais c'est passé. Et attention, parce que là, on commence à arriver dans des luttes internes. Parce que les 4 garçons qui sont là, ils ont des précédents depuis le début du championnat. Muller, Coronel, Lopez et Maxou. Alors, est-ce que chez Citroën, Lopez va faire de la résistance? Ou va-t-il s'effacer, sachant que son championnat à lui est quasiment terminé? Alors, le verdict d'ici quelques instants, quand ils seront dans les droites. Ouais, le bump sur Lopez, on y va gaiement. Peut-être est-ce un argument de plus que souhaiterait mettre dans la balance le pilote belge pour que l'Argentin le laisse passer. Et Michelis une demi-seconde hein, devant Tarquini.
Quinné qui va bien se reprendre s'il arrive à faire un podium aujourd'hui après ce qui s'est passé. Et regardez, le peloton est très compact. Là, il y a vraiment une lutte vraiment intéressante. Tout le monde est à moins d'une demi-seconde du pilote qui le précède. Il peut y avoir des changements rapidement. Attention, peut-être une ouverture ici. Non, Lopez qui reprend sa trajectoire, ça ne passera pas. Attention, parce qu'on est peut-être déjà dans l'avant-dernier tour de cette épreuve japonaise. Et l'attaque à l'intérieur, ça va plonger. Est-ce que dans le dernier droit... Non, Lopez qui continue à bloquer. Alors, est-ce qu'il y aurait une mésentente entre les deux hommes? En tout cas, Lopez défend sa position et il en a tout à fait le droit. Ça risque de se jouer à peu. Et de nouveau, changement de position entre les deux. Est-ce que ça va passer dans le premier freinage comme c'est passé les fois précédentes? Et non, Lopez, qui est bien avec la même voiture que le pilote belge, parvient à faire la différence. Pecito ne va pas te laisser passer. Reste derrière. On ne veut pas perdre de voiture dans les points. Reste derrière. Bon, bah, au moins, le message de la part du Muret Citroën est clair. Et attention, parce qu'il peut encore y avoir des changements de place. Et Lopez qui ne se prive pas pour bloquer son équipier. Alors que devant, Norbert Michelis semble être celui qui va emporter la victoire aujourd'hui. Nouvelle victoire du pilote hongrois, ce qui devrait bien le replacer au classement général. Et la dernière ligne droite, dernière possibilité d'attaque pour les pilotes Citroën, et ça va déboîter. Est-ce que ça va passer au niveau du transpondeur? Et victoire donc de Norbert Michelis. Et on va revoir après l'arrivée ce qui s'est passé depuis la voiture de Tom Shilton et sa Chevrolet Cruze du Roll Motorsport. Et regardez l'aspiration, et ça va se jouer sur la ligne entre les deux équipiers. Et c'était très serré. On va porter réclamation chez Honda, on ne sait jamais, tu peux peut-être récupérer une place ou autre, en tout cas rentre au box, on va en discuter. Et un petit souci en cabine qui nous empêche de voir les résultats, en tout cas sachez qu'il y a eu du changement, on vous communiquera ça la semaine prochaine. En tout cas, restez bien attentifs à ce qui se passera dans ce championnat, il va rester 4 manches et 100 points à prendre, tout est encore jouable. Merci beaucoup d'avoir été fidèle à cette retransmission. Rendez-vous la semaine prochaine sur le tout petit circuit de Brands Hatch avant eh bien, les grands rendez-vous de Bathurst et de Macao. Merci mesdames, messieurs, et à bientôt. Au revoir.